Ah, en mer. Petite journée en mer. Et ça, je crois que ça s'annonce bien. Il y a un peu de zèf. On devrait se régaler. Et aujourd'hui, alors, on a un équipage de choc. À la barre, Roman. Fabien. Et Michel. Et Michel. Et c'est parti. Comment ? J'entends pas.
entre ces rochers là, c'est magnifique. En apnée, là, tout autour, là, nager, là, c'est là où je te disais tout à l'heure, il y a des petites. C'est très très joli. On va demander un petit peu son avis à Roman. Donc Roman, est-ce que c'est la première fois que tu viens sur un voilier? Je crois que oui. Ouais, c'est la première fois. Premier pas sur un voilier habitable. Oui. Donc tes impressions? Super. Ça bouge bien, hein. Ça va bien, ça va vite. En plus on avait un bon... Bon barreur. Tu avais l'impression de vitesse quand même? Ça bouge bien, c'est parce qu'on avait de la mer. Ouais. Il y avait de la mer. C'est vrai, beaucoup de vagues, des creuses même, beaucoup. Capitaine, très bien.
Attends, nous sommes interrompus par Michel qui a une question à poser. Qui est chef de bord et qui est un peu... Michel le barreur. Que se passe-t-il, Michel? Eh ben, il faudrait peut-être qu'on change de bord. Non, on est là. Qu'est-ce qu'on a prévu de faire, Michel? Ben, en principe, de rentrer au port. En principe, si on trouve l'entrée. Il est où le... Elle est où l'entrée? Bravo, c'est ça. Donc, et toi? Il faut faire une virée de bord là-bas. Oui, attends. D'abord, il faut que tu répondes à mes questions. Michel, c'est un vieux marin, un vieux loup de mer. Tout à fait. Mais qui va filer sur des cailloux dans le moment. Mais non, dans le temps, regarde, on est loin. Regarde ça. Oui, si, on a, alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette journée? Cette journée est magnifique. N'en rajoute pas. Si, les ingrédients étaient là, la cuisine, alors là, la cuisine, t'en as pas. La soupe de poisson. C'est toi. Sans les arêtes. Excellent. Les chouchis, alors c'était pas des chouchis, c'était des préparés avec amour et des beaucoup de délicatesses. La navigation, à part l'acoustifier, la navigation, c'était bien. On a eu le vent qu'il fallait, où il fallait. On va battre un petit peu pour s'éloigner de la tête du pont, parce qu'il faut qu'on fasse encore toutes les manœuvres. Mais bon, dans le temps, ça va. Mais globalement, c'était bien. Super bien. Fabien, de loin, comment c'était? Bah écoute, c'était bien. Je t'ai régalé. Au début. Ce matin, tu as bien barré. Voilà. Nickel. Fin de journée. Ça, c'est pas grave. La digestion a été plus compliquée. C'est la soupe de poisson qui est retournée. Voilà, c'est ça. Je crois que j'ai eu une arête. Elle restait un peu au travers, je pense. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Pourtant, je n'arrivais pas. Moi, toi, tu nous dis qu'il n'y avait pas d'arête et Fabien Péchard, il y a une arête qui restait un travers. Bon, à part ce petit détail, mais ça, c'est parce que tu as eu froid. Parce que tu as eu froid. Tes premiers pas sur le pont d'un voilier. C'est ça. Premier pas sur le pont d'un voilier avec les voiles, parce que l'autre fois, j'étais resté. Tu as trouvé ça plutôt sympa. Ouais, plutôt sympa. Bon. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Affaler les voiles. Voilà. Affaler à enrouler. Allez, c'est parti à la manœuvre. Okay. Go! Parce qu'on a passé l'entrée du port oui, qui est là. Là, on est maintenant, il faut remonter. Ça part de Et après une bonne journée de navigation, ben qu'est-ce qu'on fait? Ben on rince. Et oui. Et ça fait partie du plaisir. Bichonner son petit tabasco. On le rince. On va même dérouler le génois et rincer le génois. Parce qu'il a pris un peu des embruns.